Pour moi, il y a un mystère énorme. Il y a un mystère énorme qui est que oui, compte tenu effectivement des sommes qu'il a gagnées, où est passé cet argent ? C'est le chiffre qui circule partout sur Internet, donc allons-y. J'ai gagné un peu plus de 3 millions d'euros, tout cumulé. Et j'avais à la fin de cette période 270 000 euros d'épargne qui apparaissent dans mes déclarations devant la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique. Qui est pas très bien normal. Géré alors là. Mais j'ai bien géré, j'ai quand même mis 270 000 euros d'épargne. Bon. Vous pouvez me conseiller de faire mieux, etc. Voilà, vous pouvez me dire, vous avez un patrimoine qui est très faible. Alors ça, c'est la question qui est la plus sur laquelle je vais avoir le plus de mal à répondre et sur laquelle je marche sur des œufs. Parce que pour moi, il y avait quand la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron est sortie, je l'ai regardée attentivement. Et alors j'aurais pu travailler plus dessus et j'aurais sans doute eu une meilleure réponse, mais le fait est que j'étais passée à autre chose à ce moment-là dans mes recherches. Mais pour moi, il y a un mystère énorme. Il y a un mystère énorme qui est que oui, compte tenu effectivement des sommes qu'il a gagnées, où est passé cet argent ? Donc il y a un peu deux hypothèses, mais dont aucune me satisfait. La première ne me satisfait pas. C'est de dire, là il y a un gros problème, il y a du fric qui a disparu, quoi. Parce que c'est quand même assez improbable d'avoir de telles rémunérations et derrière de pouvoir déclarer un patrimoine brut, donc qui tient en plus compte de l'endettement, parce qu'on pourrait dire c'est de l'endettement qu'il y a derrière, aussi bas. Et en même temps, j'aime pas trop cette hypothèse, puisque c'est un peu théorie du complot. Enfin, pour moi, c'est plus, ça appelle en fait un travail plus que c'est une réponse. L'autre hypothèse, elle n'est pas satisfaisante non plus, c'est de dire il a tout dépensé. Donc, faut quand même y aller en termes de dépenses quand on est sur ce type de revenu. Et c'est pour ça que c'est une hypothèse qui ne me satisfait pas non plus. Donc, je reste insatisfaite et je pense que ça appelle des investigations peut-être plus journalistiques derrière pour. Enfin, assez poussé en fait pour comprendre ce qui a pu se passer. Pour rebondir peut-être plus généralement sur la question, je pense pas qu'il y ait d'obstacle. Enfin, faut plus poser la question inverse, c'est-à-dire quelles sont les conditions de possibilité pour avoir aujourd'hui un patrimoine important. On a déjà, enfin, j'ai déjà apporté quelques éléments de réponse. Peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on ne se constitue pas un patrimoine par épargne successive et progressive. Finalement, le cas d'Emmanuel Macron est presque un cas hyper marginal, c'est-à-dire c'est le cas de ces cadres qui gagnent extrêmement bien, des très 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 gros revenus, des très grosses primes, etc., et qui de fait peuvent, sur la base de leurs revenus, enfin, on peut penser que oui, là, il y a une dynamique d'accumulation qui est possible. Cette dynamique, pour le quotidien du salarié, oui, il va peut-être pouvoir accéder à sa résidence principale, devenir propriétaire, et peut-être, après, avoir une assurance vie, un complément de retraite, on pourra en parler. Mais c'est pas vraiment, on n'est pas sur des patrimoines, bien sûr, les plus conséquents, comme m'expliquent les gestionnaires de patrimoine et de fortune. Il n'y a pas 36 000 manières aujourd'hui d'avoir un patrimoine. C'est soit vous héritez, soit vous cédez des parts d'entreprise. Et quand on regarde le public qui cède aujourd'hui des parts d'entreprise, c'est un public aussi d'héritiers.